Saint. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Toute la terre est remplie de Saint. Oh, Jesus. Écrit Saint. Saint. Dans la version Yahweh Sabaoth. Ce qui veut dire le Seigneur, le Tout-Puissant. Le Shaddai. Toute la terre est remplie de sa gloire. Cette acclamation faisait trembler les poteaux. Et les acclamations de Séraphin faisaient trembler les poteaux des portes. Amen. Amen. Le temple se remplit de fumée. Le temple était rempli d'une gloire. Alors je dis. Alors je dis. Malheur à moi. Malheur à moi. Je suis perdu. Oh, je suis perdu. Oui, je suis un homme au Je suis mort parce que je suis pécheur. Et je suis un homme impur. Mm-hmm. Je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Oui. Et mes lèvres ont vu le roi Yahweh Sabaoth. Et mes yeux ont vu le roi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Bienvenue dans le Seigneur. C'est un test merveilleux. Vous savez, souvent, il faut lire les prophètes avec leur vision extraordinaire. Le prophète Isaïe, le prophète Jérémie, Ézéchiel, c'est des personnes qui faisaient des visions extraordinaires. Dieu leur parlait en vision. Et je sais que toi aussi, Dieu te parle en vision. Amen. Tu as les dons de vision, mais peut-être que tu ne les as pas encore épurés parce que tu ne sais pas. Alléluia. C'est pourquoi à la fraternité sous des vies, nous sommes maintenant dans un séminaire où nous parlons de la voix de Dieu, comment entendre la voix de Dieu. Et dans ce grand chapitre, il y a un sous-thème qui parle des visions, des songes, comment Dieu parle. Alléluia. Et ça, le prophète vient d'expérimenter quelque chose que peut-être que toi tu as déjà expérimenté. Peut-être que tu as fait une vision pareille. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ce dont nous allons parler ce soir, on va parler de l'adoration. Dis amen. Oh. Comment adorer le Seigneur? Quelqu'un veut savoir adorer Dieu? Je rends grâce à Dieu pour mon bien-aimé, le chef modérateur Dominique Marie. On va acclamer l'homme de Dieu. Alléluia. Non, ne s'assois pas pour acclamer l'homme de Dieu, s'il te plaît. Acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu et son épouse. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, frère. Parce que vous avez un ministère, et je crois que, comme je l'ai dit toujours, nous un jour on va arrêter de prêcher. C'est pourquoi souvent je chante un peu, parce que là-bas, on va tout chanter. Donc, toi, au moins, ton ministère, il est éternel. Nous, pour nous, là, c'est passager. Alléluia. Comment adorer Dieu? L'adoration est un ministère très important dans la vie du chrétien. Un chrétien qui ne sait pas adorer, c'est quelqu'un qui est perdu. C'est pourquoi, regardez bien. Dans les commandements que Dieu donne à Moïse, le premier commandement, Dieu parle d'adoration. Il est jaloux. Alléluia. Il dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu à part moi. Tellement il aime l'adoration. Dieu se reconnaît dans un peuple qu'il adore. C'est pourquoi Jésus pouvait dire en Jean chapitre 4, au verset 24, il dit, Dieu il est esprit, alors tous ceux qui l'adorent doivent pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Nous allons d'abord commenter le texte que nous venons de lire et après on va donner les différentes séquences qui parlent de l'adoration. Si tu es d'accord avec moi, dis amen pour que je puisse comprendre. Le texte de Ésaïe chapitre 6 dit ceci. Que lui, le prophète Ésaïe, il a vu le Seigneur qui était assis sur un trône majestueux, un trône très élevé. On dit la traîne de son habit, alléluia, remplissait le temple. La grandeur de Dieu. C'est pourquoi le salut va dire que Dieu, le ciel est son trône et la terre son marchepied. Il est d'une grandeur inestimable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom pour pouvoir estimer notre Dieu. Mais ce qui est important,
C'est que devant ce trône se tiennent des anges. On les appelle les séraphins. Ce sont une catégorie des anges de l'adoration, la louange. Et ceux-là, ils avaient six ailes. Les peuples d'Israël, les ailes sont placées en paix, n'est-ce pas? Deux ailes pour se couvrir la face. Pourquoi? Parce que la face de Dieu est majestueuse. Et personne ne peut regarder à Dieu. Or, les séraphins sont des êtres célestes. Ceux qui se tiennent devant la face de Dieu continuellement. Mais malgré cela, ils ne peuvent pas regarder Dieu tellement la splendeur de son visage est éclatante de la gloire. Mais même ils ne peuvent pas tenir ses pieds. Donc ils sont obligés de prendre encore d'autres ailes pour se fermer les pieds. Alléluia. Si la gloire de Dieu vient ici, c'est parce que quelqu'un ça peut tenir. C'est pourquoi il nous envoie un peu. Il dit, prenez ça un peu. Parce qu'il envoie sa gloire dans toute sa plénitude. Ah, on va courir. Même les gens qui sont dans leur maison ne pourront pas tenir. Et ils volaient avec d'autres ailes. Et devant cette face, ils adoraient Dieu et ils chantaient. Ce qu'on chante toujours à l'église, qu'on appelle le Sanctus. C'est le Seigneur Yahvé Sabaoth. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Sa gloire remplit toute la terre. Amen. Mais dans cette louange, il est tellement extraordinaire que les pivots, un peu comme les lenteaux des portes, ne pouvaient même pas se tenir. Devant la face de Dieu, tout tremblait. Amen. Amen. Et le temple était rempli d'une fumée. La gloire se manifestait à travers une fumée. Vous voyez un peu l'image quand on parle de la fumée. Cette fumée, quand on va partir à la messe, vous voyez un peu quand on brûle l'encens. Amen. Donc, c'est-à-dire la maison était insensée, la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Tout ça contribue à l'adoration. Et le prophète qui va crier, malheur à moi, parce que moi qui suis pécheur, j'ai vu Dieu. Amen. Alors, comment adorer Dieu? Jean 4, verset 24, que j'ai dit tout à l'heure, dit, Dieu est esprit, c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Alors, il faut savoir d'abord que l'adoration est un ministère de grâce. Alors je vais d'abord expliquer ce que c'est que l'adoration. Amen. Au bout du pot d'Akshaïen, pour vous l'adoration c'est quoi? Qui veut répondre? Adoration. Souvent quand on chante là, nous on veut faire adoration. L'adoration c'est quoi? Amen. C'était un peu la même chose, c'est compliqué. On appelle l'adoration une célébration au cours de laquelle on offre des holocaustes à Dieu. Dans l'ancienne alliance, Dieu va donner ses recommandations à Moïse en demandant au peuple d'apporter des holocaustes devant l'Éternel. Des choses qu'il devait offrir au peuple. Et souvent, il posait la main sur le bouton ou le feu et il parlait. Tu dis tout ce que tu veux et puis tu l'offres. Et le prêtre est chargé de sacrifier ça. Donc l'adoration est un culte sacrificiel. Amen. C'est un culte sacrificiel. Mais David va nous révéler le vrai sens de l'adoration. Dans le psaume 51, au verset 18 à 19, il dit ceci. Tu n'aimerais pas que j'offre des sacrifices, car toi Dieu, tu n'accepterais pas pour le corps. Mais le sacrifice voulu par Dieu, c'est quoi? Un esprit brisé. Donc, au-delà des sacrifices, des holocaustes, des moutons et tout ça, la vraie adoration est une disposition spirituelle. Grâce à Dieu. La vraie adoration, c'est une disposition spirituelle. En fait, quand Dieu disait à Moïse que
le veau devant l'autel pour le sacrifice, en réalité, le mouton que tu envoies, c'est ta propre fille que tu envoies devant l'autel, que tu offres. Je vais dire à quelqu'un, toutes les fois que tu as offert quelque chose sur l'autel des fétiches, c'est ta propre fille que tu as donnée. Alléluia. Le poulet que tu as égorgé, sur combien, c'est toi-même que tu as égorgé. Le mouton que tu as égorgé, c'est toi-même que tu as égorgé. Il y en a même qui font jusqu'à creuser et enterrer des bêtes vivantes. Tu t'es enterré toi-même. Donc quand tu viens devant l'autel de Dieu, c'est ta personne que tu offres. C'est pourquoi Jésus, pour le salut de l'humanité, en tant que souverain sacrificateur, va s'offrir lui-même. Amen. Amen. En réalité, l'adoration consiste à s'offrir à Dieu. Oh, bien-aimé, pendant que tu fais l'adoration, si tu ne peux pas t'offrir comme un agneau, ton adoration ne montera pas. Amen. Si tu ne peux pas t'offrir comme un agneau, ton adoration ne montera pas. Regardez bien, pendant une adoration, quand on est dans une assemblée de prières, et quand on va se mettre à genoux pour adorer Dieu, il y a des gens dans cette adoration, ils vivent quelque chose d'exceptionnel. Ils commencent à pleurer, ils commencent à dire des choses comme si ils ne les pensaient pas, mais c'est une émotion qui sort d'eux parce qu'ils sont disposés. Il dit, le sacrifice que toi, l'Éternel, tu veux, c'est un esprit disposé. Donc l'adoration est une affaire d'esprit. Lorsque ton esprit, ton âme est déconnectée de ta chair pour monter devant la face de Dieu. Oh my Jesus. L'onction de Dieu coule. La gloire de Dieu te visite. Ça te papote, ça te guérit. Si tu es malade, tu es guéri. Parce que tu n'es plus toi-même. Mais tu deviens un être extraordinaire. Dans l'adoration, tu as la capacité d'attirer la cour céleste. Parce que les anges, tout à l'heure, le passage a parlé des séraphins. Mais ils sont passés, ils sont beaucoup d'êtres célestes. La Bible parle des séraphins. Il y a les chérubins, il y a les 24 vieillards qui se tiennent devant la face de l'Éternel. Alléluia. Ils ne se fatiguent pas. Ils adorent Dieu continuellement. Dans cette adoration, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans ta chambre, tu arrives à l'assemblée de prière et que tu élèves la voix, tu commences à adorer Dieu. Tu te mets à genoux, les yeux fermés, tu vois la cour céleste, tu commences à adorer, oubliant tes soucis, oubliant tes fatigues, oubliant ta maladie, oubliant tes problèmes. Tu commences à regarder à Dieu seul, à le magnifier, à parler avec ton Dieu. Pendant que tu le fais, les anges sont obligés de déménager jusqu'au prochain. Il descend dans ta chambre parce que quelque chose les attire dans ta maison. Quelque chose les attire. Or, eux qui sont continuellement devant la face de Dieu ne peuvent pas descendre sans bénir la vie de quelqu'un qui adore Dieu. Non, 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 c'est pas possible. Alléluia. L'adoration. L'adoration consiste à s'offrir soi-même en sacrifice, à s'effacer pour que Dieu soit Dieu. Il faut que Dieu soit Dieu. C'est pourquoi le prophète a dit, je dis le Seigneur qui était sur un trône élevé. En réalité, parce que le prophète avait toujours considéré Dieu élevé. Toi, comment tu considères ton Dieu? Dans l'adoration, l'adoration doit pouvoir t'amener à reconnaître que tu es bien. Parce que dans cette position d'adoration, le prophète va dire au verset 5, il dit ceci, que moi qui ne suis qu'un mortel,
moi qui ne suis qu'un pécheur, moi qui n'ai qu'une langue souillée, je viens de voir l'Éternel. Je viens de voir Dieu. Je suis foutu. Donc, toute sa vie de pécheur est devant lui désormais. Il reconnaît qu'il n'est rien sans Dieu. Il reconnaît qu'il ne peut rien sans Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. Comment adorer Dieu? Dans une adoration, bien aimé dans le Seigneur, quand l'homme de Dieu va prendre les cantines d'adoration et qu'on va commencer à l'adorer, écoute, il faut commencer à réaliser la présence effective de Dieu ici. Mais si tu ne le réalises pas, tu ne pourras pas. Il y a des gens, ils vont peut-être penser, oh non, mais les chaises sont vides. On s'en fout de ça. Avec moi, je vois les chaises remplies. Je vois des hommes. Ils sont particuliers. Là où tu as assis, il y a quelqu'un qui s'est de toi. Et l'onction qui se dégage ta vie. En réalisant la présence effective de Dieu, elle sera réelle pour toi. Donc c'est pour vous. Réalise d'abord la présence effective de Dieu. Parce que s'il n'est pas là, tu ne pourras pas l'adorer. Il faut qu'il soit là, alors tu pourras l'adorer. Deuxième chose, quand tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, avant même que tu ouvres la bouche pour lui parler, il faut que tu trembles. Il faut que tu trembles. Amen. Amen. Lorsque Élisabeth voit Marie venir dans sa maison et qu'elle dit, que me faut l'honneur, moi qui ne suis qu'une petite, que me faut l'honneur de recevoir la main de mon Seigneur. Pourquoi est-ce qu'elle le fait? Parce que à travers Marie, elle voit Jésus, le roi des rois. Alléluia. Elle voit Jésus, le roi des rois. Elle regarde à sa fille. Elle est pécheresse. Comme à ce Christ peut venir jusqu'à elle. Si tu veux adorer Dieu, il faudrait véritablement que tu réalises que tu n'es même pas digne de l'adorer. Parce que pour adorer Dieu, il faut être saint. C'est pourquoi les anges crient saint. Il est saint, infiniment saint. Oh, il est excellent. Il est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est excellent. Il est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est excellent. Il est puissant. Il est merveilleux. Nul ne peut se comparer à celui de Jéhovah. Le Dieu rempli de magnificence, le Dieu rempli de majesté, c'est lui le souverain sacrificateur, le roi de rois. Il s'est présenté à ces gens sur l'île de Patmos. Il a dit, je suis le premier, je suis le premier. Toi, Jean, tu mettais dans ta tête sur ma poitrine, mais maintenant, je ne suis pas la même personne. Je suis le commencement et la fin. Le premier né d'entre les morts. Donc, il faut que tu trembles. Dès qu'on parle d'adoration, tu dois trembler. Dire, ah, je voulais Seigneur l'adorer, mais est-ce que je ne peux l'adorer? C'est parce que je ne peux pas l'adorer. Lorsque Dieu me parlait au peuple d'Israël, à la montagne, au Sinaï, il a dit quoi? Il dit, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous demain et venez. Tant que tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas entrer dans le secret de Dieu. L'adoration consiste à entrer dans le secret de Dieu. Oh, c'est dans l'adoration qu'on vit les merveilles de Dieu. C'est dans l'adoration que vraiment qu'on prend des grandes résolutions. Quand vous voyez les gens qui pleurent dans l'adoration, ça veut dire la vie se présente devant eux. Ils se rendent compte qu'ils ne sont rien. Ils ne peuvent rien. Ils prennent des résolutions de chance. J'ai connu un grand brigand. Un grand brigand. Il était même recherché par la police. Parce qu'il avait tué quelqu'un. Et partout dans la presse, sa photo circulait.
Et puis un jour, il est allé au Saint-Sacrement. Il s'est déguisé de son habit. Pendant qu'il adorait Dieu, il s'est armé. Il a d'abord regretté son péché. Et puis il est rentré dans le secret de Dieu. Il y a une lumière qui l'a envahi. Le monsieur est tombé face contre terre. Il a enlevé le déguisement. Les gens qui tentent d'adorer aussi, quand ils l'ont reconnu, c'est la débâcle de Paris. Tout le monde a fui. Il est là, il pleure. Il pleure. Vous savez, dans les églises, il y a des sorciers. Vous voyez quelqu'un au Saint-Sacrement, même son misère, quelqu'un, il pleure. Et puis, vous appelez la police. Ils ont appelé la police. La police est venue prendre la police à l'église. Il dit, quand la police l'a attrapé, il dit, maintenant, je suis tombé. Alléluia. Oh. Il dit, maintenant que la police a mis la main sur moi et qu'on va me mettre en prison, je suis maintenant libre. Parce que il était captif de Satan. Mais Jésus voulait te délivrer. Même si les hommes le condamnent, Jésus le délivre. Frère, je vais te dire quelque chose. Même si les hommes te condamnent, Alpha et Omega, frère, si les hommes te condamnent, si les hommes te méprisent, si les hommes ils te donnent des identités qui ne sont pas les tiennes, je vais te dire, laisse, Dieu ne t'a pas encore condamné. C'est dans l'or que Dieu te libère. Là dans le secret de Dieu, là dans le secret de l'adoration, dans les mystères, et tu vas contempler la bonté de Dieu. Frère, les gens qui n'ont pas encore expérimenté la bénédiction, quand je parle de bénédiction, je ne parle pas de matériel. Oh my Jesus, je ne parle pas de matériel, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas d'or, je ne parle pas de maison. Tu peux avoir tout ce que la Bible nous dit. Je ne parle de bénédiction spirituelle, celle qui transforme l'homme, celle qui donne réellement la gloire de Dieu. L'adoration fait changer l'aspect du visage. Regardez à quelqu'un, tu marches avec quelqu'un, regarde son visage. S'il a trop de soucis, c'est qu'il n'adore pas Dieu comme il se doit. Aïe, 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 aïe. Si tu veux véritablement guérir de ce qu'on appelle les blessures intérieures, rentre le secret de Dieu. Regarde à Dieu, salue-le, magnifie-le, adore-le comme il se doit. Tu vas voir ta vie changer, veuillez l'aspect de ton visage changer. Même quand tu n'as pas à manger, tu es heureux. Je sais ce que je vis maintenant, ce que je traverse maintenant. Je suis persécuté jusqu'à la chambre, au cul je venu. Je suis persécuté dans tous les compartiments de ma vie, jusqu'à mon ministère est persécuté. Ma vie sociale est persécutée, ma vie maritale est persécutée, ma vie ministérielle persécutée. Je pleurais la dernière fois devant la face de Dieu. Parce que regardez, les persécutions, surtout au niveau du ministère, ont commencé il y a 2 ans. Amen. Et depuis 2 ans, le Seigneur m'a dit, écoute, ça va aller. Il faut vous persévérer, tu vas voir. J'ai commencé à prier. Donc la première persécution a commencé à disparaître. Je vais parler plus clair. Ça dit quoi? Dans mon ministère, les gens sur qui j'ai compté, les gens avec qui j'ai commencé le ministère, m'ont tous abandonné. Amen. Ils m'ont tous abandonné. Et je suis resté seul avec des enfants spirituels qui n'ont pas vu comment l'expérience de la chose. Donc je suis obligé de tout faire. Quand j'ai vous appelé évangélisation, c'est moi qui dois faire les spots, c'est moi qui dois faire la solo, c'est moi qui dois faire les affiches, c'est moi tout. Vous allez débrouiller la première des choses jusqu'à la dernière. C'est moi qui dois choisir les thèmes. C'est quoi ça? Et mon message se vidait. Mais quand j'ai vu la prière comme ça, donc si j'ai un monde comme ça, c'est beaucoup. Hein. Donc ça, c'est beaucoup. Soit on est 10, quand on est 3 et 18, on n'appelle pas 20 non plus. Et ça me faisait mal. Et c'est dans ça que le Seigneur dit, c'est important pour ton élévation. Et j'ai commencé à prier. J'ai pris maintenant, ces 2 jours, la gloire de Dieu a commencé à se
manifestait, des personnes commençaient à venir, des nouvelles personnes commençaient à venir. J'ai commencé encore à remplir la salle. Alléluia. La salle commence à se remplir. C'est là que les démons vont se lever encore. Dans mon foyer, problème. Même ministère, il y a du monde maintenant. Quand je dis, dans mon problème, ils sont venus, on dit, vous là, vous faites trop de bruit. On ne veut plus voir ce nom ici. Donc on prie sans ce nom. Pourtant on a ce nom comme ça. Les consoles comme ça. Et on les prie comme ça. Quand tu n'utilises pas, quand tu as déjà utilisé et que tu n'utilises plus, ça se casse. C'est tout le monde qui sont gâtés. On prie sans ce nom. Quand on a pris les prêcher, on pourrait appeler chanter ici. Oh, waouh, nous on n'entend pas. On me dit Seigneur, ça va aller. Mais c'est pas ces deux choses qui se passent. Quand je prêche le peuple, ils entendent bien. L'onction se manifeste, la puissance de Dieu se manifeste. Et là, on ne comprend pas. Quand on donne sans ce nom, on les dérange encore. Alléluia. Maintenant, ils sont levés. Il y a des faux types, des méchants, des sorciers. Je le dis, je n'ai pas peur. C'est des sorciers. Ils sont allés voir le curé. Non, ce monsieur, il n'est pas bien. Il cherche femme. Et que sa femme l'a pris en frontant de lui. Sur le lit conjugal avec une fille. Il dit, ah bon, vous avez vu le visage de la fille. Vous voyez là, on va discuter. Mais pourquoi vous mentez? Pourquoi vous êtes comme ça? Le curé aussi, il dit, bon, comme c'est bizarre, ok, pour le homard, il faut te mettre à côté. Mais il sait que moi j'ai créé, quand il va être à côté. Alléluia. Amen. Et je dis, ah, prenez une fois dans la face de Dieu. Fais. Je me suis mis à genoux, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que c'était important. Maintenant, je vois que le monde est en train de révéler. Maintenant, voilà ce qui est où. Nous voilà ce qui est où. Le Seigneur me dit, laisse. Il me dit, laisse. Je vais te faire voir quelque chose. Je sors de faire ta publicité. Et il y a une sœur qui veut me dire, elle me dit, elle me montre une photo. Elle me dit, tu connais ce monsieur-là? Je le regarde, je ne le connais pas. Il dit, je ne le connais pas. Elle dit, c'est un monsieur qui est là pour l'instant. Ce monsieur est en train de parler de toi. Et je me suis caché pour la photo. Je voulais savoir si tu le connais. Je ne le connais pas. Il est quitté. C'est là que je me rends compte que le Seigneur m'a dit, je suis en train de faire ta publicité. Quand on parle de publicité, bien aimé dans le Seigneur, toi tu sais qui est à la fois blondie. N'est-ce pas? Est-ce qu'il te connaît? C'est ça la publicité. Les gens vont parler de toi. Ils vont faire ton éloge. Et Dieu va te pousser. Et le Seigneur va me dire, oh my God, il va me dire, le moment va venir où je vais changer la tendance. Ceux qui vont te persécuter, le péché sera connu de tous. Alors, les gens vont les promis. Fais, rentre dans une adoration, dans une intimité avec Dieu. Et commence à oublier même tes soucis. Ne lui parle pas de tes soucis, mais commence à le magnifier. Vous voyez, pour ceux qui parlent en langue, quand tu rentres la Bible de Dieu, tu sens que tu vas dire des grandes paroles, mais tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est paroles. Et tu fais au massacre. Où il y a le sacoche. Où t'accords l'autre. L'ensemble de Dieu se manifeste. Parce que ton âme parle à Dieu. Ton âme parle à Dieu. Et tu peux prendre les cantines dans cette position. Tu as les cartes, tu as les têtes, tu te mets à genoux. Et tu commences, tu t'éclates. Oh, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre que toi. À ce moment, tu penses à ton souci. Il n'y a personne comme lui. C'est le seul. Dans ce que tu vis. Dans ce que tu vis. Dans les soucis qui te traversent, dans la méchanceté des hommes, c'est Dieu. Oh, il n'y a plus d'autre que toi. Et toi. Alpha, Omega, oh, il n'y a plus d'autre que toi. Même si le monde me rejette, oh, papa, il n'y a plus d'autre que toi. Si ma famille ne veut plus de moi, papa, il n'y a plus d'autre que toi.
Tu es le pape de Dieu. Tu es le pape de Dieu. Tu
es le pape de Dieu. Côté. La main de Dieu sur toi. Le pain d'alors de Dieu. Oui, pardon. La Bible dit, elle était une femme. Elle avait 12 ans de spermatozoïde, 12 ans de pêche de sang. Elle a touché au pain d'alors de Jésus. Oh, c'est vrai, elle a touché. Mais toi, le pain est pour toi. Le pain est pour toi. Le pain est pour toi. Et ce pain maintenant apporte une réponse à ta vérité. Apporte une réponse à ta vie, à ta souffrance. Et qu'à la gloire, dis-lui Dieu merci. Dis-lui Seigneur, nul n'est comme toi. Dis-lui Seigneur, nul ne peut se comparer à toi. Père, s'il te plaît. Oh Dieu, nous t'adorons. Père, je t'adore une fois. Et t'as l'air la gloire de Dieu. Je veux passer le J'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et puis donner des acclamations à Dieu?